imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there. Quel étrange 1er mai que ce 1er mai 2020. La pandémie du Covid-19, se souciant comme d'une guigne de nos travaux et de nos engagements. De même d'ailleurs que des dogmes et des orthodoxies de l'ordre économique mondial est venue bouleverser nos vies et nos agendas. Elle a tout arrêté, avec une violente désinvolture, nous rappelant sans ménagement l'extrême fragilité de notre condition humaine. Elle nous a tous réduits au confinement. Et dans cette dispersion, le sens de notre engagement humaniste s'impose à nous et nous en avons éprouvé l'urgence absolue. Privés de nos tenues, sachons ne pas renoncer à nos efforts. Depuis leurs origines, les francs-maçons sont des militants de l'égalité et de l'universel au service d'un projet collectif d'union, de progrès et d'émancipation. Tous les ans, le 1er mai, le Grand Orient de France rassemble les frères et les sœurs de l'obédience et des obédiences amies, accourus de nombreux orients, pour se retrouver au cimetière du Père-Lachaise. Ce rassemblement de recueillement et de ressourcement annuel est une date importante dans notre année de travail maçonnique. Il entend réunir ce jour-là deux célébrations, deux hommages, deux mémoires. La montée au mur des fédérés, en hommage aux martyrs de la Commune de Paris, celle que les communeux appelés eux-mêmes souvent la République de Paris. On sait que l'expiation complète, selon la formule de Thiers, en a été consommée au terme d'une semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, dans l'immense fosse commune, au pied du mur gris des vaincus de mai, comme l'écrivait Séverine. Depuis, la nation a su réintégrer cette insurrection populaire dans son histoire et son projet, parce qu'elle était indissociablement patriotique, républicaine et sociale. Le 1er mai, la Journée internationale des travailleurs, journée de manifestation et de revendication, au départ pour la journée de 8 heures, qui est devenue le principal rituel international du monde ouvrier. Ces deux mémoires qui se répondent constituent deux jalons hautement symboliques sur les chemins longs et difficiles de l'émancipation, de cette émancipation qui est au cœur de la démarche et du projet humaniste des francs-maçons. Ces deux mémoires appartiennent à une sorte de mystique républicaine. Elles font partie de ce que l'historien Bertrand Joly a défini comme le formidable projet d'égalité et d'estime de soi dont le régime républicain est porteur depuis 1870. Nous, francs-maçons, savons qu'il y a un spirituel républicain auquel nous nous identifions depuis ce 19e siècle du long avènement de la République. Nous retrouver quand même. Il s'exprime dans les cellules dispersées de notre société confinée un nouveau désir de commun. Nous, francs-maçons, devons y réfléchir avec les outils qui sont les nôtres. Il était devenu quasiment impossible de penser une autre société que celle que nous avions tous le sentiment de subir
Et voilà que tout à coup et sans prévenir, cette pandémie vient provoquer l'humanité et l'obliger à repenser l'avenir et le progrès. Pour ce faire, n'oublions pas que c'est grâce au retrait ou à l'extériorité qui la constitue, que la loge reste capable de préserver l'espoir qu'un dépassement du réel est toujours possible à penser. Enfin, n'oublions pas que les hommes inventent leur avenir, que l'histoire n'est pas terminée et qu'elle n'a pas de fin, à l'image du chantier mythique des maçons, qui, tous le savent, est à jamais inachevé. En gardant à l'esprit ces données essentielles de la pensée maçonnique, peut-être serons-nous capables d'apporter à nos concitoyens, à l'humanité, quelques secours pour repenser autrement économie, société et environnement et inventer un nouveau commun, plus juste, plus humaniste et plus vivable. Marchons.